Salut à tous, c'est Baptista Cour Réfrigération. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment diagnostiquer et réparer un réfrigérateur No Frost qui a cessé de faire du froid dans la partie réfrigérée et sur l'évaporateur à cause d'une panne liée au système de dégivrage. Problème rencontré. Le problème que j'ai rencontré sur ce réfrigérateur No Frost est assez commun, il y avait une accumulation excessive de givre sur l'évaporateur, ce qui empêchait le système de fonctionner correctement. Cette formation de glace excessive empêchait le ventilateur de faire circuler l'air froid dans l'ensemble du réfrigérateur. Résultat, la partie réfrigérée ne recevait plus d'air froid, et le système dans son ensemble perdait en efficacité. La cause principale de cette panne était un defrost heater, résistance de dégivrage, défectueux. Pour ceux qui ne le savent pas, ce composant est responsable de chauffer l'évaporateur pour éviter que le givre ne s'accumule. Si cette résistance ne fonctionne plus, l'évaporateur finit par geler, bloquant le fonctionnement normal du ventilateur et du refroidissement. Diagnostic. Pour déterminer la cause de la panne, voici les étapes que j'ai suivies avec un multimètre. 1. Vérification du ventilateur. J'ai testé le ventilateur pour voir s'il fonctionnait correctement. Si le ventilateur ne tourne pas, l'air froid ne peut pas circuler. Heureusement, dans mon cas, le ventilateur était en bon état, mais il était bloqué à cause de l'accumulation de glace. 2. Test du defrost heater, résistance de dégivrage. J'ai mesuré la résistance du defrost heater à l'aide du multimètre pour vérifier s'il n'était pas coupé. Le multimètre m'a montré que la résistance était défectueuse, confirmant qu'elle ne chauffait plus pour dégivrer l'évaporateur. 3. Contrôle du defrost timer, minuterie de dégivrage. J'ai également vérifié le defrost timer pour m'assurer qu'il fonctionnait correctement. Ce composant contrôle les cycles de dégivrage en allumant et éteignant le defrost heater. Après vérification, j'ai constaté que le minuteur était fonctionnel et n'était pas la cause du problème. Réparation. Après avoir diagnostiqué la panne, il était évident que le defrost heater devait être remplacé. Voici comment je l'ai fait. 1. Remplacement du defrost heater. J'ai acheté une nouvelle résistance de dégivrage, compatible avec le modèle de réfrigérateur No Frost que je réparais. J'ai démonté l'arrière du compartiment congélateur pour accéder à l'évaporateur et à l'ancien defrost heater. J'ai soigneusement retiré l'ancienne résistance et installé la nouvelle en veillant à ce qu'elle soit bien fixée et connectée. 2. Test après installation. Une fois la nouvelle résistance installée, j'ai rebranché le réfrigérateur et j'ai attendu quelques heures pour observer le fonctionnement du système de dégivrage. Résultat, plus de givre sur l'évaporateur, le ventilateur s'est remis à fonctionner correctement, et l'air froid circulait à nouveau dans tout le réfrigérateur. Conclusion. Voilà, le réfrigérateur fonctionne à nouveau normalement grâce au remplacement du defrost heater. Ce type de panne est fréquent dans les systèmes No Frost, mais avec les bons outils, comme un multimètre, et les bonnes étapes de diagnostic, vous pouvez facilement identifier la source du problème et la réparer. Si vous avez aimé cette vidéo ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Pensez aussi à vous abonner à ma chaîne pour plus de contenu sur la réfrigération et la climatisation. Et comme toujours, restez branchés pour des astuces pratiques et des tutoriels utiles. À très bientôt dans une prochaine vidéo. Merci de m'avoir suivi, et à bientôt sur Baptista Cour Réfrigération.